Manon Delaunay, je suis en deuxième année de CAP Coiffure. Bonjour, je m'appelle Maureen Villevandré et je suis aussi en deuxième année de CAP Coiffure. Vous allez pouvoir nous suivre jusqu'au pôle coiffure. Donc là, on se retrouve à la partie shampoing. C'est la première étape d'un rendez-vous client. On va pouvoir apprendre le diagnostic, savoir quel shampoing correspond à quel cheveu, cuir chevelu. Donc là, on va pouvoir commencer avec Anaëlle et Alessia qui sont en train de réaliser un brushing. Auparavant, elles ont réalisé une coupe. Et donc pour cela, on a un sac de pratique où tout est inclus. Tout le matériel est à notre disposition. Donc ici, on retrouve Mélanie et Clarisse. Donc Mélanie est en train de réaliser une permanente sur Clarisse. Cette technique consiste à boucler des cheveux. Donc on peut en voir plusieurs dans notre formation. Donc on peut voir la permanente classique, la permanente quinconce et la permanente directionnelle. Donc ensuite, on va pouvoir retrouver Coralie et Paloma. Coralie est en train de réaliser un épointage. Tout au long de nos deux années, on va pouvoir apprendre différentes coupes, le carré plongeant, le dégradé, etc. Le mercredi après-midi, on va pouvoir accueillir des modèles, des clients. On a environ 4 heures par semaine de pôle coupe d'âme. On retrouve Alicia et Zoé. Alicia a réalisé une coloration sur les cheveux de Zoé. Et maintenant, elle va procéder à un brushing. La partie coloration se retrouve aussi dans le pôle coupe d'âme. Donc on a tous les mercredis après-midi pendant 4 heures. Et on a la possibilité d'accueillir des modèles et des clientes. En cours, on peut réaliser des colorations ton sur ton, des colorations d'oxydation, des colorations végétales. Après une coupe et un brushing, on peut aussi réaliser des mises en forme. Donc là, par exemple, Ambre est en train de réaliser des boucles avec un fer à lisser sur Fanny. On peut aussi lisser les cheveux, les onduler, les boucler. Au lycée, on a de nombreux appareils pour le faire. Donc par exemple, pour les boucler, on peut utiliser le fer à lisser, le fer à boucler, le fer à boucler automatique. Donc ici, on est en cours de chef-d'œuvre avec les premières années. Le chef-d'œuvre, c'est une matière où on a des profs de pratique et de théorie. À la fin de nos deux années, on la pratique pendant deux années, et à la fin de cette deuxième année, on va devoir passer à un oral où on va devoir montrer l'investissement qu'on a mis dans notre projet. Donc ici, les premières années, ils sont en train de réaliser une première étape. Ils apprennent à faire des points d'attache. Donc en matière générale, on a le français, les maths sciences. On a aussi de l'anglais, du sport, ainsi que de l'art appliqué. Et on a aussi de l'AP avec de la co-intervention pour pouvoir nous aider dans notre travail. Oui, donc on va avoir 12 semaines dans les deux années. Où on va pouvoir réaliser des stages dans les salons de coiffure. Oui, pour rentrer en CAP coiffure, il faut être dynamique et passionné, aimer le contact avec les gens et créatif. Il faut aussi faire preuve de savoir-être et être à l'écoute. À bientôt et n'hésite pas à venir aux portes ouvertes.